Bonjour et bienvenue sur Legata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droïde Tech et aujourd'hui c'est parti pour Subnautica épisode 6. Et aujourd'hui c'est un épisode construction. Le prochain épisode ça sera de la découverte. Pour l'instant c'est construction, pourquoi? Parce que j'ai pas mal farmé, j'ai pas mal découvert de trucs. Donc dans les autres épisodes je vous ai donné un peu les lieux et tout ça. Après c'est à vous de chercher, hein. Les zones sont assez simples à trouver. Je vous ai donné les plus grands points. Et là aujourd'hui on va s'attaquer à un gros bébé. On va tout de suite s'attaquer au Cyclope. Ensemble, mais juste avant, j'aimerais bien faire depuis le temps, c'est ce putain de générateur de flotte. Donc, pour faire ce générateur de flotte, on va essayer de retrouver. Donc ça, il faut le scanner. Du coup, c'est dans une grotte. On ira ensemble un de ces quatre. Il n'y a pas de problème. Hop, faut que je le retrouve. Tac, tac, tac. Là, c'est l'eau. Donc, c'est pas là. On va y arriver. Du coup, pour l'aérogel, j'ai enfin trouvé. Si vous vous souvenez, en fait, dans une armoire, j'avais pris des morceaux de sac de gélatine et pas le sac de gélatine. Et en fait, en prenant le sac de gélatine, j'ai réussi à débloquer ça. Du coup, je sais comment faire de l'aérogel et on va même en faire ensemble. Comme ça va nous servir pour de futures constructions. Tac, 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 tac. Ça doit être en bas. Alors, c'est dans les constructions. Là, il me reste encore ça à trouver. Hop, il me reste encore quelques morceaux à faire, mais du coup on va s'occuper de ça après. Et là c'est surtout l'eau, parce que j'en ai marre d'aller chercher des pochons à gauche, à droite. Là j'ai la centrale thermique, je vais pouvoir la faire aussi tout à l'heure. Voilà, donc il me faut titane x3, fil de cuivre et de l'aérogel. Donc c'est parti pour faire l'aérogel. Donc pour faire de l'aérogel, tac tac tac, on a dit. On revient. Oh, ça commence à être le fouillis là quand même. Hein. Donc il faut un sac de gélatineux et du rubis. Donc de mémoire j'en avais stocké un, je crois. Là j'ai le rubis. Voilà. Donc c'est ce que je vous expliquais. En gros, j'avais pris ça, le sport, mais j'avais pas pris le sac de gélatine. Du coup, je me suis dit, bon bah comme ça vit dans l'eau, je vais en faire une plantation. Et c'est comme ça que j'ai découvert le truc. Du coup, je les ai plantés, puis après j'ai carrément pris le sac. Voilà. Donc là j'ai ma plantation de sac de gélatine. Tout simplement. Pareil pour l'huile et tralala, là c'est pour ça que vous voyez que c'est en jaune. J'ai carrément mis. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà. On va les voir après. Je les ai mis là, comme ça j'en ai directement au pied. Et pareil pour le champignon abyssal. Comme j'en avais pris en forme de spore, j'en ai mis dans le coin là normalement. Voilà. Donc je me suis fait ma petite plantation tranquille. Voilà. Et donc le truc de flotte, on va le mettre ici. Donc on va aller faire l'aéro. Ah merde, ça c'est déjà plus bon. Pour commencer. Donc là, hop. Donc ça c'est dans les coraux là. Hop, je prends tout, mais je crois que j'ai pas besoin de tout. Bon, c'est pas terrible, mais. Du coup là, les 581, c'est les panneaux solaires. Parce que ça croque à mort. Hop. Faut que je trouve quelque chose qui soit bien compatible avec. Tac, tac, tac. Alors, du coup, on y va. Allez, c'est parti. On va pas perdre de temps. On déplace. Donc là, je fais le premier aérogel avec vous. Voilà. Ensuite, pa 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 pam. On a dit. Tac, tac. Tac, tac, là voilà. Donc l'aérogel, je l'ai. Fil de cuivre et titane x3. Donc le titane, j'en ai à foison, c'est pas un problème. Alors 1, 2, 3. Là, j'en ai pas. Oh Dieu, fil de cuivre. J'en ai pas? Ah, si, là. Donc normalement, c'est bon. Je peux construire mon truc. Donc je sais pas où il se met et comment ça se met, on va voir ensemble. Hop, non c'est pas comme ça. Oui, il faut le constructeur. Voilà. Donc je l'assigne. Je le prends. Hop. Et cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc là, il faut qu'il prenne l'eau. Ok, mais moi je sais pas l'entrée où elle est là. Là je peux pas le mettre là. Je peux le mettre là ou là.
va le mettre là. Moi j'ai envie de le mettre là. Après si ça me plaît pas, je peux le bouger évidemment. Bon bah comme ça c'est fait. Alors comment ça fonctionne? Ok. Alors attends, parce que là du coup, à part il y a filtrage d'eau. Oula, ça, il y a un peu de baisse de framerate là. Utiliser appareil de filtrage d'eau. Moi, je vois pas trop ce qu'il faut faire, mais peut-être mettre une bouteille, je sais pas. On va voir. Est-ce que c'est une bouteille qui m'a demandé? Je ne sais pas. Hop. Oh, ça baisse là, il y a le framerate qui se casse la gueule dès que j'arrive dans la zone. Alors, utiliser le filtre à eau. Filtrage en cours. Cell 14. Ah d'accord, donc ça va être là. Quand ça va être prêt, ça va être à côté. Ok, donc là ça filtre l'eau. Eau 9, cell 18, d'accord. Filtre à eau. Ok. Bon, on va attendre un petit peu. Du coup, par contre, ça va pomper sévère, je pense. Hein. Ok, donc pour l'instant, ça tient. Au pire, je ferai d'autres. J'en ferai d'autres. Ensuite, en attendant que l'eau arrive, on va se faire ensemble le gros navire depuis le temps. Là, je vous avais dit, c'est un épisode de grosse construction là. Tac. Alors, la construction des navires. Je suis perdu et... Là. Alors, il nous faut... Oh, 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 il nous faut beaucoup de choses là. Il nous faut du lubrifiant, du fer émaillé x3, du lingot de plastacier, d'acier, ça je crois que j'en ai fait, un kit d'avance et 3 plombs. Alors, on va voir. J'avais fait pas mal de trucs la dernière fois. Donc, les lingots de plastacier, ouais, 1, 3. 3 verres émaillés. C'est ça, 3, ouais, je crois que c'est 3. Le kit de câblage avancé et un peu de lubrifiant. Donc normalement, si je retourne sur la fiche, si je dis pas de bêtises... Ah, du plomb. Du plomb x3. 1, 2, 3. Et voilà. Du coup, on va pouvoir... Alors, on va pas le naviguer aujourd'hui, enfin, on va pas faire de navigation aujourd'hui avec. Mais on va voir au moins... le construire. Déjà, avoir le nôtre, ça serait bien. Faut que je retrouve ma baie de véhicule, là. Ma baie de véhicule, oui, normalement, il va pouvoir aller là, tranquillement. Voilà. Hop. Donc la combinaison pour l'inconnu. Et je peux construire le... C'est plus profond. Ah. Ok. Mais du coup, est-ce que j'ai de la place? Oh, normalement, il devrait y aller. Non, il veut pas. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de place. Je pensais que ça allait être assez profond, mais non. Du coup, il est vraiment, vraiment stock, le machin. Bah, remarque, j'aurais bu mon eau, ça aurait été aussi bien, quoi. Je pense que c'est bon, là. Ah, j'ai un truc aussi que je veux supprimer, c'est la fameuse fusée, là. Je m'en sers pas. Je vais la mettre là en attendant. Voilà. Donc pour le fameux aérogel, comme j'avais pas pris le sac mais j'avais pris juste les spores, bah je pouvais pas y arriver quoi. Erreur tout con, mais bon quand tu sais pas. Qu'est-ce qu'il va vouloir mieux. Non j'aimerais bien le. Ah merde, je l'avais. Donc je pense qu'en allant bien profond là, ça devrait le faire. On est à côté de la base. Hein. Voilà. Hop, on va le sélectionner. Je pense que là, ça devrait être bon. Dire que j'ai galéré dans le premier épisode pour le mettre. Voilà. Et voilà, c'est parti. Allez, construction ensemble.
du Sinos. C'est énorme, il est énorme. Donc on va pouvoir aussi faire des améliorations sur le sur ce vaisseau là. T'as quoi, il va aller dans l'eau là. Pouf. Ben voilà. Oh, c'est énorme, ouais, c'est un gros sous-marin quoi. C'est vraiment vraiment énorme. Bon voilà, il est construit. Donc on a notre vaisseau. Un mot, il doit être repéré sur la carte. Hop. Là je vais la signer. Voilà. Ah, il est vraiment monstrueux hein. Vraiment vraiment monstrueux. Ouais, il est repéré, c'est bon. Monter à bord du Cyclope. Donc on peut monter à bord. Ok, donc là on a... Ok, on a des systèmes de stockage. Enfin, c'est énorme. Là on a... ok, la chambre. D'accord. Donc là on va pouvoir mettre certainement un module. Baie de lancement. Ok, voilà, je peux mettre un module. Quoi, je sais pas. C'est pour fermer la porte, d'accord. Là je peux monter. Là c'est les moteurs. D'accord. En amélioration, je peux en mettre 6. Impeccable. Là j'ai les grosses piles. D'accord. Un extincteur s'il y a besoin. Là du coup c'est pour un autre module. Ok. Donc là je sais pas ce que je vais mettre comme module, mais je pense que ça doit être le prone. Je pense. Câbles. Là je peux descendre par là. Impec. Un extincteur. Ouais, les stocks quand même. Hein. Et du coup là on a les commandes. D'accord. Là on peut. Engine powering up. Là on peut naviguer. C'est énorme. Ah, j'ai touché quelque chose, mais j'ai pas eu d'infos. Alors, je peux aller jusqu'à 500 mètres pour le moment. Ça c'est les caméras. Je peux changer les caméras, d'accord. Ouais, c'est nickel. Ensuite, activer le mode silencieux. D'accord. Aussi pour les torpilles. D'accord. Ouais, impeccable. Bon bah c'est propre. C'est énorme. Et là on a, je pense, plusieurs vitesses. Ouais, c'est ça, ça doit être la vitesse. Ok. Bon bah c'est bien, on verra, je vais pas y aller comme ça, je préfère y aller quand je vais avoir des, enfin, des améliorations. Ah là il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Ok, on éteint tout. Pour l'instant c'est pas le but. Là je pense que c'est, en plus à 100 mètres j'ai mon Simos, il va à 900 mètres. Hop. Et là on sort du Cyclope, voilà, impeccable. Bon au moins on l'a construit, c'est le pied total. On a fait déjà deux trucs. Ou je sais pas ce que j'ai frotté tout à l'heure. Hein. Je vais pas le perdre. Tac tac tac. Ok. Bon bah vas-y, amuse-toi. Hein. C'est énorme. Je suis sûr que ça va changer l'aventure, mais il faut vraiment faire les améliorations. On n'a pas le choix là. Donc du coup on a fait. Deux trucs vraiment vraiment énormes. Donc je vous ai montré les plantations là. Là j'ai un bouton rouge tranquille. Voilà. Là c'est actif, mais je pense que ouais, ça croque déjà pas mal. Hein. Il va falloir que j'y retourne.
Oh, les armoires, c'est vraiment la vie. Merde, tout ce qu'on peut mettre dedans, c'est énorme. Par contre, j'ai un verre en plus. Bon. Tant mieux. On va aller voir pour le truc de flotte, là, ce que ça donne. Oula. D'accord, donc là, j'ai du sel, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai du dépôt de sel. Mais toujours pas d'eau. Bon. Ah oui, d'accord, c'est tout doux. Hein. Sel 50 ou 75, filtrage en cours. C'est sûr, il faut en faire deux quoi pour être tranquille. Hein. Et je pense que je vais créer une armoire pour mettre le sel. Alors, l'armoire. De toute façon, je vais être obligé hein, de mettre une armoire. Parce que le sel, je vais pas jeter dehors. Là, il faut du quartz et titane x2. Chercher du quartz. Et du... Ah, par contre, là, j'ai une baisse de framerate dans le jeu, c'est un peu relou. Hop, et titane x2, on va faire deux armoires. Parce qu'on va être... Ouais, ça donne bien, franchement, le jaune comme ça. Ça t'évite d'avoir des projos là. Et voilà. Donc oui, je l'ai créé cette salle-là, elle y était pas, puisque du coup j'avais j'avais en tête de mettre hop, de mettre en tête le générateur. Attends là, puis l'autre à côté, déjà avec deux stockages, et après je verrai ce que je fais avec le sel. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de propre ou d'utiliser proprement. Comme ça, voilà. Donc là, à quel moment? Au 85 et c'est le 71. D'accord, il faut attendre aussi. Donc là, j'ai fait une extension pareil, peut-être pour quelque chose d'autre. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire encore? Oula, amélioration du moteur de Cyclope. Circuit intégré, benzène, polyanine. D'accord, ça c'est bien. On va pouvoir s'occuper de ça. Ça je peux pas le faire, j'ai pas le souffle de cristal. Hein. Ça je peux le faire. Amélioration du lanceur de leurre. Je peux faire pas mal de trucs. Là il y a le MK1, je peux le faire. Lingot de plastacier, rubis x3. Je peins, c'est que je peux le faire. Je sais pas combien il en faut de lingot de plastacier, mais. Un seul et rubis x3. Ah, j'en ai peut-être pas. Lingot de plastacier. Ah oui. Oh là là, j'en ai fait un stock. Ah non, lingot de titane. Ah oui, c'est complètement différent. Le plastacier, c'est autre chose. Ok. Donc du lingot de plastacier, si on fait ça. Tac, 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 tac. Il faut 2 lithium. Ah, ça consomme. En salle, je sais pas si vous avez la dernière fois, mais j'avais fait ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode en entier. Du coup, ça me permet d'avoir de la nourriture à gogo, quoi. Des melons, des patates chinoises, voilà, des melons marbrés. Ça me permet de manger varié. Ça change de manger toujours des poissons et tout ça. Hop. Voilà. Donc, on a dit du lithium x2. Le problème, c'est que le lithium, pour le trouver... Voilà, quoi. Et rubis x3. Non, on n'a pas des magnétites, pas des champis, on a dit du rubis, de l'or, du corail. Là. Pareil, le rubis, je sais pas si j'en ai. Plus j'en ai assez, ça va. Allez, c'est parti. Je pense qu'après, c'est dans le truc d'amélioration. Et si on peut passer en MK2, on va passer en MK2. Hop, hop, le lingot de plastacier. Nickel! Bah oui. Autant avoir un bon vaisseau. Comme on a farm, on n'a pas farm pour rien. Donc là aujourd'hui ça va être je pense un petit épisode. C'est plus la découverte où ça nous prend vraiment vraiment du temps. Hop. Par contre il me propose pas là. J'ai un module commun, c'est pas ça. Là peut-être. Non torpille. Je sais pas où ça se fait alors. Ah non là c'est pour le CMOS. C'est une bonne question. Ah, ou alors c'est carrément dans le vaisseau. Il y a peut-être un truc d'amélioration dans le vaisseau. J'ai pas vu. Faut que je regarde.
que là, je pense pas que ça soit là. Non, c'est pas là. Donc ça doit être dans le vaisseau. Yep. Ce qui serait normal d'ailleurs. Ou à moins que ça soit là. Mais non, parce que le MK1, on le fait pas là. Non, non, non. Parce que là, justement, il faut, faut plein de trucs. Ouais, là, c'est pour le, ah, là, c'est pour le cyclope, le MK2, module MK2. Il faut le module MK1. Il faut que je regarde où on crée le module MK1. J'ai pas cherché. Prone. Là. MK2. MK2 prone, cyclope. Ouais, TXN avant de trouver. Je pense que ça, je vais pouvoir m'asseoir dessus. Hein. Simos. C'est bien, c'est que je me rappelle plus où j'ai vu. Là. Monte la profondeur. Je pense que c'est dans le vaisseau, hein. Je vois que ça. Hein. Là, j'ai fait là, j'ai rien trouvé. Et comme on a les modules d'amélioration, CMOS, combinaison prone, ouais, on peut chercher plus loin. Pour moi, c'est. Faut que je retrouve mon petit vaisseau. Ah, mais là, il est en face. Il est vraiment, vraiment énorme. Hein. Bon, après, on va dans les profondeurs avec ça, donc c'est normal. Peut-être pouvoir péter du Léviathan après. Je sais plus c'est où l'entrée. On est par où là ? Ouais, par là. C'est bien comme j'ai éteint la lumière. Ok, bien, j'adore la voix. Pas de problème. J'ai voulu faire des économies d'énergie, mais je sais pas si j'ai bien fait. Ok. Voilà, je pense que c'est. Je sais pas si c'est là qu'on le fabrique. Bah non, c'est pas là. Pouah, la blague, je sais même pas où on le fabrique. Où je trouve. C'est une bonne blague. Il n'y a plus qu'à trouver. À rien. Alors il y a peut-être un truc spécial que j'ai pas récupéré. Ok. Est-ce que je peux faire les améliorations? Donc il doit bien avoir une console ou un module pour faire les améliorations que j'ai pas. D'accord. Donc là l'échelle elle se trouve bah, derrière la porte là, tout simplement. Ah le temps de visiter hein. Baie de lancement, d'accord. Ah bah voilà. Et tout simplement. Et voilà. Donc là, ça je pourrais le faire. Du benzène, polyanine, je peux en faire. En plus, il y a les 6. Je peux pas tout faire, mais je peux en faire. Sonar. Donc là, à voir si on peut faire le MK2. Mais pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ah bah oui, je peux le faire. Lingot de plastacier acier et minerai nickel x3. Bah bien sûr que je peux le faire. Du coup, je peux déjà passer en... Ah. Je peux déjà passer en module MK2. Par contre, le module MK3, je pense pas que je puisse le faire. C'est ce qu'on a vu ensemble, il me demande... Ouais, du tistène et j'ai pas le tistène. Je sais même pas où on trouve. Donc, pour l'instant. Ce qui va me compliquer la tâche parce que... Si je veux aller dans les profondeurs... Ça va pas m'arranger cette histoire. Hop. Donc je vous ai montré les deux zones hein, pour avoir le cyclope. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Welcome aboard, Captain. J'apprends à peut-être pouvoir faire aussi les autres améliorations. Je sais pas s'il m'en restait un par là. C'est une bonne question. Ah bah tiens. Hop. Lingot de titane, c'est pas grave. J'avais préparé. Bon, à la base, je voulais faire du. Non, c'est... Oh merde, j'ai mis du diamant avec le. La... Oh. J'ai fait une erreur. Je voulais aller trop vite, j'ai mis le diamant. Hop. Et lithium. Donc il faudra que j'aille refaire, recrafter du lithium parce que le lingot de plastacier. Attends, par contre, il y a un problème. Je crois que du nickel, j'en ai pas moi. Oui, une petite sauvegarde. Parce que pareil, hein, comme je vous l'ai dit, même si j'ai craft, j'ai farm et tout ça. Dans les autres épisodes, je vous l'avais dit, j'ai pas mal perdu le jeu. Par exemple, là, ça fait deux fois qu'il a planté sur Nintendo Switch et j'ai fait la dernière mise à jour. Non, c'est celle-là. Moi, du nickel, j'en ai pas de nickel encore. Non, j'ai du cuivre, du plomb, du quartz, mais j'ai pas trouvé de nickel. Non, ça me parle pas. Je sais même pas où on va le trouver le nickel. Or, diamant, magnétite. Ouais non, j'étais parti, j'ai de l'uranite, mais je peux pas... non, non. Non, j'ai fumé la moquette. Je sais pas du tout où on trouve du nickel, alors là... la zone à nickel... non. Non, ça va être limité, là. Con construction, ouais. J'ai pas vu comme il fallait. Petite erreur. Hein, faut que je trouve quoi, où on a le minerai de nickel. Une fois que j'aurai trouvé. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Bon le prône, bah faut que j'aille le chercher. Donc ça c'est le sonar. Et on a vu qu'il y avait plusieurs trucs pour le. Donc ça je peux le faire. Circuit intégré, benzène. Ça je peux le faire. Donc circuit intégré, je crois que j'en avais. Fait. Ah il me reste un, nickel. Voilà, le benzène je peux en faire. Je crois qu'il en faut 3 de huile de sang. Et le polyaniline de mémoire. Je sais plus en fait. C'est même pas de mémoire parce que je veux pas raconter de conneries. C'est de l'or et de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique on le fait avec un champignon et un dépôt de sel. Et bah ça se tombe bien. J'ai un dépôt de sel. Champi abyssal, il m'en faut 3. On va aller chercher. Non, j'ai enfin une bouteille d'eau. Eh ben dis donc. Ouais, je crois que je vais en faire deux machines. Hein. Je serai tranquille. Hop. Ah, par contre, ça crée à mort du sel. Hein. Plus 50. Sacrée bouteille d'eau. Donc ZR, hop, on déplace ça. Et puis on va mettre ça là. Et on verra. Du coup, je vais pas manquer de sel, hein. J'ai pas besoin d'aller. Tap tap tala. Donc il en faut 3. On va en prendre 3. Oh, comment faire là si tu veux les multiplier? Donc j'en prends 1, 2. Là je les cueille. Hein. Ok. Là. Et là, ok. Ensuite, tu prends ton couteau. T'arrives là. Ah, tu le pètes, regarde. Hop, t'as déjà deux graines. Bon, normalement, je crois que t'en as plus. Mais c'est parce que moi... hop, et tu les déposes. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah, c'est pas grave. Ou je les ai déposés, mais je les ai déposés. Bon, c'est pas... Là, ils sont là. C'est pas grave. Voilà. Utiliser le pot à fleurs. Et après, tu les replantes, tout simplement. Normalement, t'en as plus, hein. Mais là, c'est parce que mon truc, il est... On reviendra après. Le principal, c'est pas de tout utiliser dès que t'as un échantillon. Bon, du coup, les machines, ouais, vaut mieux en faire deux, je pense. Voilà. Du coup, je peux faire ça.
Je vais faire du 200. Putain, c'est pas mal ça. Hein. On retourne là. Là, on était sur... Et ça, il faut de la cyclohydrique et de l'or. Alors, de l'or, ce qui me reste par là. Ouais, j'en ai là. Ouais, minerai de cuivre, mais non, j'ai pas de... Et voilà. Bon. Il suffit de suite là, suivre la recette. On retourne là. Véhicule CMOS. C'est pas ça. C'est ça. Circuit intégré. Donc là, on peut aller le faire. Module d'amélioration de rendement de moteur Cyclope. Donc là, kit de câblage inventé et batterie. D'accord. Pour le bouclier. Allez, c'est parti. On y retourne. Beaucoup d'aller-retour, mais bon, voilà. On équipe le Cyclope au fur et à mesure. Ça change des épisodes précédents. Là, c'est vraiment amélioration. Le truc à eau, c'est bien. Par contre, ouais, c'est super long. Je pense qu'avec deux machines, ça peut le faire. Parce que l'idée, c'est vraiment de plus aller faire... comment ? Les pochons, quoi. Ouais. Je me rappelle plus. Là. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Ça doit être là, là. C'est ça. Putain, il y a 6 batteries. Truc de dingue. Et donc les améliorations, on les met sur la console de derrière. Voilà. Hop. Et on déplace. Voilà. Donc santé 1500, énergie. 1800, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc on a fait ça. On a fait ça. On peut faire ça. Kit de circuit avancé, batterie haute capacité. Ça je peux pas le faire. L'amélioration du lanceur de leurre. Ouais. On va voir si on peut faire les deux. Allez, c'est parti. Autant pas se déplacer pour rien. En plus, il y a 6 améliorations, donc je veux vraiment en profiter avant de le lancer, le machin. Parce que là, à mon avis, si je vais dans les... On va appeler ça dans les abysses, hein, en mode comme ça, random, le bordel, je l'éclate. Vu comment j'ai éclaté mon CMOS au début, là, avec les 300 mètres, plus les Léviathans et tout, oh là là, laisse tomber. Vu comment j'ai galéré à trouver les pièces et puis à le construire. Donc une batterie haute capacité, j'en ai une là. Voilà. Un kit de circuit avancé, par contre, je crois que j'en ai pas d'avancé. Je sais pas ce qu'il faut pour en faire un, mais j'ai ça déjà. Moi j'en ai là-dedans. Non, c'est un kit normal. Kit de câblage aussi, donc j'ai pas de circuit avancé. Faut que je regarde comment on fait un circuit avancé. Et puis on va pouvoir le faire ensemble, tranquillement. Hein, ça sert à ça. Hop, hop. Voilà, donc là, kit de survie, c'est pas là. Gardez en tête que Cyclope a été conçu, ok. Là, je remonte. Bon, je pense qu'il faut pas grand chose pour. Là. Tac. Putain, il faut encore de l'or et un circuit intégré. D'accord. Donc de l'or x2. C'est un truc de dingue, hein. Du coup, quand tu veux faire quelque chose de propre... Non, de l'or, je vais pas le prendre là, parce que du coup, j'avais du stock un petit peu qui traînait là. Voilà. Circuit imprimé, j'en ai plus là. Non, j'en ai plus. Hop. Donc de l'or c'est bon, fil de cuivre. Là j'en ai pas. Fil de cuivre c'est avec deux cuivres tout simplement. Là il y en a un qui traîne. Et j'en ai pas en stock non plus. Fil de cuivre donc je vais en produire. Là je l'ai utilisé.
Hop. Voilà. Bon, on fait étape par étape. Hein. Et le corail, je l'ai, ça c'est sûr. Ah, j'ai pas envie d'aller en chercher, donc là, voilà. Corail x2. Donc ça, le corail, hein, tu vas dans le récif là et tu les prends, t'es tranquille. On va utiliser notre première bouteille d'eau avant qu'on ait bien soif. Ah oui, quand même. Bon, avec deux bouteilles d'eau, t'as fait le taf, quoi. C'est pas mal. Le circuit intégré, il est fait. Du coup, je vais pouvoir faire le kit avancé puisque j'ai les deux ors, plus le circuit intégré, plus le premier kit de câblage. Ça, c'est bon. Ensuite. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tac. Puis après, il faut que je m'attaque au prône. Là, c'était ça. Hein. Et le polyaniline. Tac, tac, tac. Acide chlorhydrique. Donc là, il faut les champis. Avec le dépôt de sel. Et de l'or. Et nous, on en croque de l'or. Hein. Tant mieux, tant mieux. J'en avais trop. Là, j'ai l'or. En machin truc. Je sais pas s'il m'en a créé. Ah non, mais ça a l'air d'aller assez vite. Je me posais, était pleine, je l'ai presque comme ça, la nique. Ouais, c'est pleine. Hop. Là, on va reprendre les champignons. Non, c'est pas là. Champignons et dépôt de sel, il m'en faut 3. Que j'ai assez de place dans mon inventaire. Ouais, c'est bon, j'ai de la place là. Et voilà, vous avez vu, j'ai 4 graines. Là, je vais pouvoir les ressemer. Ça évite comme ça de perdre ses champignons. Hop, torpette 1, juste à côté. Voilà. Tu remontes un petit peu et tu plantes. Non, 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 tu plantes. Oh. Et voilà. Tranquille. Bon, t'as compris le délire. Et tu fais pareil pour les sacs d'aérogel là. Enfin, les... Hop. Est-ce que je l'ai le sel? Non, je l'ai pas pris. Enfin, je l'ai stocké. Ah ouais, ça c'est mort par contre. Merde, faut que je m'en occupe. Je vais aller voir après. 526, 524, ouais. Là j'ai la lumière. Ça c'est fait. Normalement je dois pouvoir créer l'autre truc. C'est ça. Et voilà. Hop. Donc du coup ça te permet de voir comment on fait les constructions et tout ça. Donc là on est sur le cyclope et on va créer ça. Juste avant. Tac, tac, tac. Bon, donc là, j'ai laissé les balises. Si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tac, tac, tac. Un lithium, j'en ai pas besoin pour le moment. Ah non, parce que du coup... c'était pour le kit de circuit avancé. Quoique, je peux le faire, c'est pas grave. Oh merde. Ouais, je sais plus pourquoi là. C'était pas pour ça. Tant pis. Je vais remettre à sa place. Ah oui, c'était pour faire le lingot de plastacie. Hop. Donc pour rappel, là on est parti pour faire ça.
Donc le seul truc chiant, c'est que bah, du coup, c'est vraiment rattaché au Cyclope. T'es toujours obligé d'aller faire des allers-retours et tout ça. Faudrait peut-être créer, si je peux, créer un module là-dedans, là. Un module de création. Ce sera aussi bien, plutôt que de courir à gauche, à droite, tu vois, là-dedans. Je sais pas si on peut le faire. Bon, après, là, tu galères parce que c'est en amélioration, une fois que tu l'as fait. Welcome aboard, Captain. Ouais. Ok. Faut pas que je me trompe. Bah, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Lingot de l'air. Ah, c'est là qu'on met les torpilles. Ok. Enfin, c'est pas des torpilles, c'est des. Et voilà. On a déjà créé trois choses, c'est pas mal. Franchement, pour un début. On vient juste de débuter, hein, j'ai juste de l'avoir. Hop. Là, on met ça. Voilà. Donc là on a de la défense en plus. Donc on peut y retourner. Hein. On a ça, module d'amélioration de mon rendement et exploite la chaleur dégagée par le moteur pour améliorer son rendement. Le module de profondeur MK1. Voilà. Et le générateur de bouclier du cyclope crée une barrière temporaire autour du submersible rendant invulnérable pendant un bref instant. Donc là-dessus, je sais pas s'il y a des. Pour l'instant j'ai pas d'autres améliorations. Ça je peux pas le faire. Et ça je peux pas le faire non plus. Là c'est pas pour le coq. Non tout ça c'est pas pour moi pour le moment. Système de torpilles, il me reste un système de charge standard adapté pour tirer des torpilles. Ça je pourrais le créer. À la place de quoi? C'est une bonne question. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Ça je peux le créer, ça, mais amélioration dans ça. Système de leurre. Ok. Bon, je cherche un peu ce que je peux créer. Hein. Donc tout ça, c'est à scanner, c'est quand vous fouillez les zones. La centrale thermique transforme de la chaleur en énergie avec une efficacité moyenne. La chaleur en énergie. Ça, on peut le faire pour voir. Je sais pas où je vais le mettre, mais on peut voir. Du coup, ça serait peut-être mieux que le bio. Enfin, avec le bioréacteur, à voir. Comme on est en phase de construction et qu'on a ce qu'il faut, autant se faire plaisir. Il y a juste le système de flotte, je pense que je vais en mettre deux. Parce que ça me saoule d'attendre. Une seule bouteille, c'est archi long. Après, ça va me générer ma selle, mais bon, tant pis. Hein. Hop. Et là, après, le but, ça va être de trouver le prône absolument. Quoi. Et donc, là, le. Il faut que je fasse une batterie aussi haute capacité, il faut que j'en crée une. Je vais vous montrer un truc, vite fait, là. Ça, on va le voir dans. Peut-être pas aujourd'hui, mais. Du coup, j'ai créé. Je l'avais déjà fait, mais j'avais pas été plus loin. J'ai créé ça. Donc c'est l'unité de confinement pour Alien. Ça en fait c'est quand tu vas trouver une base scientifique, tu vas pouvoir scanner l'unité de confinement. Dedans tu mets les œufs. Donc là tu vois t'as des œufs là. Hop. Les œufs ils sont là. Et du coup il y a des bébêtes qui vont voilà, qui vont sortir. Mais ça prolifère un truc de dingue parce que du coup c'est comme un. Comme les escargots, ça peut se reproduire tout seul. Donc là, bah, si tu fais pas du nettoyage, là par exemple, tu vois, j'ai les trois, le monoeil là, j'en ai trois alors que j'ai là-bas, j'en avais qu'un seul. Par contre, le gros avantage aussi, c'est que tu peux rentrer dedans, voilà, et personne t'attaque. Ça, c'est bien. Donc ça, non, hop, ça, je vais le manger. Voilà. Ça, bah, c'était pour étudier. Par contre, ça, j'en veux pas, voilà. Je peux pas 36 millions dans mon aquarium. Par contre, il y a des trucs. Ramasser œufs de créature. Bon, bah lui, il a toujours pas éclos. Œufs de créature qui a toujours pas éclos. Et ça, ouais, c'est ramasser un œuf de requin cuirassé. Œuf de requin cuirassé. C'est ça. Ok. Là, du coup ça va aller dans le générateur. Tout ce qui est déjà œuf de spéfiche, c'est bon.
Comme ça, je peux pas le ramasser parce qu'il est éclos. Oh, c'est dommage, ça fait dégueulasse. Tant pis. Donc là, j'ai mis le. Les living sanguine, ce qui me permet de récupérer après. Ah, voilà, l'huile de sang. Je l'ai mis ici. Et là, la créature, elle est toujours pas sortie. Ah bah non, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc on verra. Du coup, ça, je le perds pas, l'œuf. Je le mets dans le bioréacteur. Ouais, je suis un gueudin, moi. Mais du coup, c'est archi bien, c'est archi rentable. Quand tu trouves des œufs, tu les mets dedans. Et hop. Tu mets ça. Hop. Et ça, par contre, tu peux pas le mettre. Tout ça, non. Soit tu le mets dehors. Mais il y en a déjà assez dehors. Et moi, en fait, hop. Et la poubelle. Si tu lis la poubelle, en fait, elle va le décomposer et puis le relâcher dans l'atmosphère. C'est bâtard, peut-être, mais bon. Hop. Je peux mettre le champignon aussi. Je m'en sers pas. Et j'ai l'œuf là. Merde. L'œuf là qui avait été. Hop de. Voilà. Comme ça. Je suis tranquille. Je vais cuire mon poisson. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est les pochons aussi. Ça, si ça se reproduit tout seul, je suis tranquille. Bon, après, moi je fais comme ça, mais. Du coup, pour le système de l'aquarium, on verra ensemble. Parce que y a un petit truc. Alors ça, bah, pour ceux qui ont déjà vu des épisodes, tant mieux. Mais ce que tu peux faire, on va essayer d'aller dehors. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Hop, mais moi, je me rappelle plus où j'habite. J'habite par là. Voilà. Regarde, j'en ai mis un sur l'autre. Ok. Et donc ça, tu peux le faire. Je sais pas combien tu peux en mettre l'un sur l'autre, mais voilà, j'en ai mis un sur l'autre. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est d'abord tu fais tes deux tourelles, tu les mets un sur l'autre, tranquille. Ensuite, tu fais ton escalier et après, tu crées ton aquarium. Donc là, t'es en haut. Et voilà, là, je suis sur ma deuxième unité, là. Tranquillement. Là, hop. Bon, c'est vraiment histoire de, hein. C'est gadget plutôt qu'autre chose, mais ça te permet de savoir quand t'es sur le terrain, ce qu'il y a dans l'œuf, quoi. Comme moi, là, je cherche des œufs de pochon. Bah du coup ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire. Ah oui, on avait dit qu'on partait sur ça là, voir un peu ce que ça donnait, même si c'était pas terrible. Donc pour l'aérogel, je vous ai expliqué, donc pour l'aérogel tu fais exactement pareil, c'est à dire que tu sors, tu vas prendre un pochon et tu vas en péter un autre. C'est cool, je crois qu'il pourra stocker hop hop. Ah bah j'ai déjà deux bouteilles. Et le sel, je vais le mettre là en attendant. C'est bien, j'ai même plus besoin d'aller chercher le sel. Donc ma grosse erreur, donc j'aurais pu avoir l'aérogel depuis bien longtemps. Putain, je suis deg. Et du coup j'ai pris le sport et j'ai pas pris. Et je m'en suis aperçu, c'est quand j'ai mis ça dans le truc, après je fais bah ouais, là je vois ramasser ça que gélatineux. Je fais putain le délire. Comme quoi. Et là ce que je fais après c'est que je fais ça. Donc tu peux le taper deux fois. Et au bout de deux fois, après il s'éclate. Donc là, utilisez pot de fleurs. Et là tu remets une graine. Voilà, tout simplement. T'es tranquille. Donc tu tapes deux fois, t'en as deux avant que le sac gélatineux s'éclate. Welcome aboard, Captain. Moi, le rendement il est pas ouf. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'électricité, de la puissance peut-être? Wes and see. Je n'en sais rien. On verra quand j'aurai plus de patates. Hop. Donc, ça j'en ai pas encore fait. Ah non, c'est pas ça que j'ai pas fait. J'ai fait. Il y a autre chose que j'ai pas fait. Donc là, il faut. Un sac gélatineux et un rubis. Ah, t'as intérêt à faire du stock de rubis, hein, parce que waouh, les rogels commencent à croquer le rubis là. Sachant que le rubis tu le fermes pas comme ça. Enfin, tu le craftes pas comme ça quoi. Laisse tomber. Hop, 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 hop. Les sacs gélatineux, je pense que je vais en faire d'avance. Parce que c'est beaucoup utilisé dans le jeu, de ce que je peux voir. Voilà. Top, 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 top. Magnétite x2 et titane x5.
1, 2, 3, 4, 5. Titane x 2. Du coup, j'aurais pu garder mon titane de tout à l'heure. Lithium, magnétite. Non, c'est pas. Non, je crois. Je confonds. Hop, magnétite. Ça, ça va. Ça aussi, hein, pareil, hein, tu galères un peu à en trouver. Donc, l'utiliser, ça fait un peu mal au cul. Je vais essayer de le mettre là si je peux. Voilà, il m'a donné du sel. J'adore or. On va faire qu'il me donne de l'eau. Le sel il est là. Voilà. J'espère ne pas recréer. Quoique, je peux peut-être laisser ça là. Je vais mettre les deux machines là. J'ai une autre salle que j'ai fait un peu en loose. Je pense pas y aller au truc. L'autre, ça je l'ai fait carrément à la wall again. Parce que je pourrais le mettre là aussi. Hein. Je pense que là-dedans il pourrait y aller. Hein. A voir, on va voir ensemble. Hop, on mange à tout. Je pense que c'est avec ça qu'on va le fabriquer. Oula. Oula là là là, non. Ça pue là. Ça pue. Donc je me suis créé une salle un peu en loose là, voilà, dans le coin. J'ai fait porte Nowak. Mais du coup, comme tu peux assembler, désassembler, voilà quoi. C'est ça qui est la magie du truc. Non, attends, ça se met comment là? Putain, il y a un problème. Là. Que du coup, il veut pas me le mettre droit. Oula, il y a un truc là pour ça. Hein. Chaleur, ou alors ça se met dehors. On va faire une sauvegarde, tiens. Hop. Ah, c'est un mo- oui, c'est ça, module extérieur. C'est pour ça que ça va aller dehors. Ok. Je comprenais pas le délire. Mais du coup, ouais, je veux bien le mettre dehors, mais. Oh là là. Ça sent pas bon cette histoire, hein. Je peux mettre là le truc de gueule, ouais, mais un petit peu, non, pas là, ah. Ouais, mais là, c'est ça va faire moche, là. Ah. Non, je peux pas là, ah, je peux pas y aller, dommage. Non, tant pis, on va le mettre bah, là dans ce coin là. Là, non, je peux pas. Ah. Voilà. Écoute, on va le créer là. Puis on verra bien ce que ça donne. Il paraît que c'est moyen. Mais moyen, c'est mieux que rien. C'est pas super joli joli quoi. À la base, ça commence à être du porte-nawak, hein. Ok. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, il faut deux bouteilles, ouais. Deux bouteilles pour se remplir. Là, ce qu'il m'en a pondu une. Là, il m'en a toujours pas pondu une. Hein. Donc, je suis à 1500. D'accord. Mais dans mon réacteur, il y a du monde. Pas il reste plus que l'œuf quoi. Allez, on va faire un petit peu de, ah voilà, on va crafter un peu de la merde, chercher des champignons, un truc du genre. Ouais, tu peux mettre des poissons, hein. Je crois que les salles gélatino ont un bon rendement aussi. Que j'avais mis les œufs, j'avais mis des champignons, je teste un peu tout. Les herbes, c'est de la merde. Il me semble que j'avais testé ça que j'ai eu dessus, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Faut essayer quoi.
Du coup, c'est ça aussi. Ça, on l'a pas fait, mais ça, je l'ai fait involontairement. En fait, il y avait un requin là. Et du coup, en arrivant, j'ai fait ça. Enfin, ça m'a donné un tube de corail. Et le tube de corail, il te sert de mémoire pour la javel. Là. Voilà. Avec du dépôt de sel. Donc, tu te fais une armoire dépôt de corail, comme je fais là. Du sel, et puis tu fais ta javel. Et la javel, ça permet de traiter l'eau, et ça sert aussi pour autre chose. Hop. Tac, tac. Le mieux, c'est de mettre des œufs directement. Tu trouves des œufs, hop. Voilà. Ah bah oui, là. Ok. Bah du coup, là, je vais mettre... Non, pas ça. Le corail. Et dans l'autre, je mettrai la javel, et puis voilà. Ok. Ouais, je vais en faire deux, ouais. Deux, c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Truc de gueudin, deux machins. Transforme la chaleur en énergie avec une efficacité moyenne. Transmetteur de puissance. Étant la portée d'une source d'alimentation. Ok. Pompe à chaleur. Donc là, il y a refou de l'aérogel, titane x3 et fine de cuivre. Bioréacteur, ça je l'ai fait. Ça par contre, le réacteur nucléaire. Voilà. Je pense que ça va être utile, mais pour l'instant, je galère un petit peu. Bah, à part me donner du sel. Ah, par contre, wow, la baisse de framerate quand on arrive là-dedans, c'est un truc de dingue. Hein. Donc quand je vais en mettre deux, ça va être le bordel. C'est l'animation. Moi, je vois que ça. Hein. Ah, la Switch, elle a un petit peu de mal. Hein. Hop. Arrive au point de... Oh merde, il veut pas m'en prendre. Ah bah oui, normal. Voilà. Avec du rubis. Je vais éclater tout mon rubis. J'ai mis 20 ans à trouver quelques grains de rubis. Je vais mettre 2 minutes à le défoncer. Hop. Le bioreactor. Hop, on va manger un petit bout en même temps. Voilà. Du coup, ça, c'est des trucs, tu vois, si tu... Quand tu fais des épisodes, le mieux, c'est de les faire offline. Tu farmes tout ça avant, t'es tranquille. T'emmerdes personne, hop, tu crées ton truc. Mais ça permet aussi de voir comment on fait. Je sais plus ce qu'il me faut pour le faire. Moi, je fais ça, mais j'ai même pas besoin. Je fais ça, hop, c'est moins galère. Et titane x3. Voilà, comme ça, avec deux systèmes, je serai tranquille. C'est moi où il prend ma place là par rapport à l'autre. Ah non. Ils sont pareils. Ok. Bon bah comme ça je suis tranquille. Ça va me créer du sel mais c'est pas grave. Donc 3 et sur 5, ok. Apparemment, j'aurai une bouteille sur deux. 87-41. Ok, bon bah nickel. Ça commence à ressembler à quelque chose. Même si ça devient compliqué. On a construit pas mal de trucs. Et je crois que bah, on a fait le tour. Parce que du coup, je peux toujours pas faire le prône. Les améliorations, je crois qu'on est au taquet. Si je dis pas de conneries, donc on va pouvoir partir en expédition après tranquillou.
poche d'air, là j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est déjà fait. Ça, bah j'ai pas la combi. Et il s'est passé quelque chose. L'Aurora, il a pété. Faut que je vous montre. MK2 pour Cyclope. Donc il faut que je trouve le nickel aussi. Je sais pas où on trouve le nickel. Putain, c'est chelou ça. J'ai pas trouvé le nickel encore. Donc on va prendre un peu de hauteur. On va monter sur ce machin là, par exemple. Hop, on va essayer de sortir. Oui, j'ai pas créé de sortie ici. Là, j'ai pas besoin d'eau. Voilà. Donc vous allez voir, l'Aurora elle a pété. Ouais, c'est joli. Pauvre. Voilà. Donc vous vous souvenez, avant il y avait toute la coque qui était là, et ben là ça a pété. Donc je pense qu'on, vu que là-bas c'est ouvert, je pense qu'il y a moyen de visiter là-bas. Donc on ira dans un prochain épisode ensemble. Là il reste encore plein de trucs à faire, plein de trucs à voir. Donc là l'île au naufrage on l'a vu, mais du coup j'y suis pas encore retourné. J'aimerais bien y retourner. Et je crois que j'ai un module à aller voir et j'ai encore un bouton rouge à faire. Donc il y a de l'exploration à faire. On n'a pas fini. Là je suis dans l'amélioration, je regarde, je tâtonne et tout. Mais donc si vous cherchez les morceaux cyclopes, c'est dans ce coin là et de par là. Enfin, vous regardez la précédente vidéo, vous allez trouver quoi. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode là. Donc là c'était vraiment le cyclope, la création de trucs et tout ça. Pour l'aquarium, on verra dans les prochains épisodes aussi. On se fera un épisode comme ça, child, pour l'aquarium, et voir combien de tours on peut empiler de salles multifonctions. Je prendrai un endroit random, assez profond, et voir après voir si je peux les relier, hein. Donc c'est pas dérangeant quoi. Mais juste pour savoir combien on peut en mettre, si on peut en mettre 5, 6, 10, 15. Donc essayer de voir si, par exemple dans cet axe-là, si je peux pas créer un truc dans les profondeurs qui sont là. Donc hop. Je sais pas ici par exemple là. Si je... Non bah ici je vais pas pouvoir, je pense pas. Je peux essayer mais ça m'étonnerait. Si je fais ça. Ouais non, je peux. Ah oui là je peux. Là je peux. Donc là je peux. Donc je sais pas. Et comme on peut aller dehors, parce que là, de mémoire. Allez, vite fait. Hein. Si on peut la récupérer aussi, c'est énorme. Là il va lâcher des grosses caisses. Voilà. Et là tu récupères. Avant que ça te pète à la gueule. Ouais voilà, bon bah avant que ça te pète à la... Et merde, je suis mort. C'est pas grave. Bah fallait bien mourir une fois. Hein. Du coup j'avais pas fait attention à ma santé. Et là je perds pas grand chose en vrai. Je suis mort mais j'avais pas grand chose en craft et tout, donc je m'en fous complètement quoi. On a perdu quelques objets mais bon voilà, c'est pas la mort. Donc là par contre ça, je sais pas si ça va me servir à quelque chose maintenant, vu que j'ai tout fait. Ah ouais non. Pour Cyclope, ah oui. Ah le M4, ah oui d'accord, bah le MK2, MK3 il se fait là. Donc il faut que je trouve le nickel. Je sais pas où on trouve le nickel. Ah j'en avais pas eu besoin là. D'accord. Donc il va encore me servir. Ok. Là ça c'est bon, c'est les armes, les fameuses armes, tac tac tac. Là ici, bah y a rien, c'est pour le CMOS. Ça je peux le faire aussi, système de torpille. Ça je l'ai fait, Mais le problème c'est qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever quoi? C'est la grosse question. Là j'ai le module, ouais ça, le module profondeur je peux pas, et j'ai le renfort de coque, donc ça je peux pas, le module profondeur et renfort de coque je peux pas, donc après c'est système de défense, et tu peux pas voilà quoi. Donc voilà, on s'arrête là et on se voit la prochaine fois donc pour la découverte de l'Aurora, et on aura je crois que c'est une île à aller voir, et puis pareil hein, j'ai le bouton rouge qui s'est allumé là sur la radio, donc on ira voir ensemble sur la radio. Je vous dis à la prochaine sur Regatta TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine
pour une nouvelle vidéo.